Bonjour à tous, bonjour la team Piquette, j'espère que vous allez bien. Là, ça fait plaisir de vous retrouver, que ce soit sur ma chaîne ou sur ma chaîne, merci à vous d'être là. Je me suis, vous allez me soutenir. Donc aujourd'hui, on se retrouve sur le jeu Primon Légende. Je suis peut-être qui a fait pas mal de vidéos, donc n'hésitez pas à les voir. Aujourd'hui, on se retrouve sur cette vidéo pour vous parler du mode dans le défi Dojo des Bêtes. Donc c'est comme une sorte de petite tower, dans les jeux dans le même genre, un peu comme ça, où vous devez monter de palier en palier pour arriver le plus haut possible et gagner le plus de récompenses possible. Donc là, c'est pas compliqué, vous appuyez sur le levier, vous montez, vous montez, vous avez une petite suite d'ensemble ici, où vous passez des chapitres, voilà, chapitre 2, chapitre 4, enfin voilà, c'est des suites, et plus vous montez, et plus vous recevrez de récompenses. Hop. Donc on va dessus, voilà, monter en niveau. Là vous voyez toutes les récompenses, des paliers. Donc là il y a un qui arrive au niveau 8, 10, on a commencé à 10. Non, je ne suis pas dans les 10 premiers. Là ça m'a fait toucher double. Je suis un peu loin, je ne suis même pas placé. Le premier il a 8, 10. Je vais t'arriver. Je ne sais pas, je fais 4, 7. La terre a monté en puissance, on va dire. Donc là le but, alors là vous avez ici aventure, c'est une petite aventure, vous avez 3 des ici, combien vous avez de tickets, soit il faut jouer par rapport aux ressources, aux endurances qui vous restent. En général je joue le nombre qui est écrit là pour les vite les éliminer, pour avoir plus vous jouez, plus vous montrez ici, plus vous montrez le dojo qui est là, plus les récompenses sont élevées. Et après vous avez juste à monter ici au défi. Pour être le plus fort possible et avancer pour avoir le plus de récompenses possible. Ces petites ressources là que vous avez dans ce mode là, elles seront utiles pour vos héros. Alors si je me trompe pas, c'est celle-ci. Voilà, ça sera utile pour monter. Elles seront utiles pour monter votre évolution, pour évoluer. Bébé, enfant, pour en monter un petit peu l'évolution de vos animaux. Bon, ça passe de bébé à adulte, etc. Voilà. Qui permettront après aussi de monter les os. Voilà. Donc ce sera pas compliqué. Vous avez juste à monter de niveau en niveau. Pas aussi dur que ça. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à me laisser un petit pouce bleu sur les vidéos et à cliquer la cloche. Ça fait toujours plaisir. Allez, bonne journée à tous, bonne game et à bientôt.